Bonjour. Alors, la mission du jour, ramener un shark de Bratislava, nord de Bratislava, l'usine, c'est Senica, à Kuers, au nord de Toulon. Peu plus de 1 000 km. Partons du hangar. Alors, c'est pas le premier qu'on va prendre, mais le second. Le constructeur Vlado, en train de regarder les bonnes nouvelles. Alors tout commence par un bon sandwich, une préparation fine autour d'un trajet détaillé. Le cockpit est prêt, on a une poignée parachute, c'est parfait. Sur le parking, les arbres sont dépouillés, et oui, c'est l'hiver. Bratislava, Senica, sur mer. Non, il n'y a pas de mer. Et nous voilà en l'air. Train rentré, trois rouges, c'est comme ça que ça se passe dans le Shark. Et on attaque les premières parties des Alpes. Il est temps de fermer le capot moteur, car les températures ne sont pas élevées. La barbe pousse, oui, les yeux sont fermés, la lumière est intense. Et ben voilà, déjà 11 000 pieds, 1 h 30 de vol, et l'Autriche s'éloigne derrière. Ici, les montagnes sont élevées, les vallées sont creuses. On cherche toujours à avoir une petite solution de planer quand même. Au cas où. Emergency, non, non, ce qu'il faut regarder, c'est le chauffage cabine. Avoir les pieds au chaud, très important. Paysage superbe. Mais le vent est fort. Il a fallu modifier la route, comme vous l'avez peut-être aperçu sur le Skyview. Ici, 11 000 pieds. Beaucoup de glace devant. La visu synthétique, magnifique, une belle dérive affichée. Et on continue à suivre, tant bien que mal, les vallées, si elles existent, en tout, du moins éviter les plus hauts sommets. L'Italie commence à se profiler à l'horizon, on va arriver par 30. Et pour débarquer sur le lac de Côme, que voilà, magnifique dans le soleil. Mais les dangers ne sont pas toujours là où on les attend, et voilà que la plaine du Pô est submergée. On serre les fesses. Lui, le moteur, il ne le sait pas. Ce jour-là, pas de problème. 4 h 50 de vol pour relier Kuers.